Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Marilyn et le DP de Cuper. Alors oui, ça fait très 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 longtemps qu'on s'est pas vu. J'ai un petit peu laissé en suspens ma chaîne pour des raisons d'autres. Rien de très grave, mais bon. Je voulais vous faire une petite vidéo parce que j'ai beaucoup de mes abonnés qui demandent de mes nouvelles et qui demandent d'avoir des petites vidéos. De nouveau des petites vidéos. Donc je regarde parce qu'il y a mon chat qui en dessous, je sais pas où il est. Donc du coup, je me suis dit, allez, aujourd'hui, j'ai un petit peu de temps. Je me suis dit, allez, je vais faire une petite vidéo pour mes abonnés, mes abonnés fidèles, parce que j'ai plus beaucoup de monde, mais mes fidèles sont restés. Donc voilà. Donc je me suis dit, je vais faire une petite vidéo pour les remercier de leur fidélité, d'avoir toujours pris de mes nouvelles. Et puis voilà quoi, une petite vidéo comme ça. Donc au sujet du DP, bon, moi, je fais toujours du DP comme vous le savez. J'ai ouvert une chaîne TikTok, donc enfin une page TikTok. Je fais quelques TikTok de temps en temps pour montrer mes toiles, les avancées de mes toiles. J'ai fait un live, je crois il y a 15 jours, pour dire d'essayer. Enfin bref, voilà. Sinon, niveau DP, donc là je suis sur la toile de l'année, sur mon défi, donc de ma page Facebook, de mon groupe privé. Donc là, on est sur la toile de l'année, on est sur le mois d'avril. Donc on a eu les 4 cases lundi au 1er avril. Donc j'en ai déjà fait 2, il m'en reste 2 à faire. Sinon, au centre social, je fais toujours les cours. Donc pareil, là j'ai une toile, ça fait un petit moment que je suis dessus, même d'ailleurs, c'est parce que c'est une toile qui est pas. Les diamants sont pas top, c'est une toile en diamant carré et c'était encore une toile de mes partenariats et les diamants sont mal taillés. Donc du coup, je prends pas goût à la faire. Mais bon, je suis toujours prise à droite, à gauche, quand je fais le groupe, donc pour aider les dames, ou alors leur donner des conseils, leur faire avancer leur toile, sur nos projets futurs aussi. Toujours en fin d'année, on fait un petit projet de fin d'année pour dire de garder un souvenir. Donc là, on est en plein, on a fait plein de petites réunions pour voir ce qu'on allait faire. Donc on a décidé de faire des petits plateaux décorés en diamond painting et des boîtes à mouchoirs comme l'année dernière. Donc voilà, il y a Monsieur Oreo qui vient vous faire un petit coucou. Vous voyez, il est toujours là, près de moi. Hein, Monsieur Oreo? Monsieur Oreo, tu dis bonjour? Tu dis bonjour, Monsieur Oreo? Vous voyez, toujours près de moi, il ne lâche pas. Donc voilà. Je vais en remettre trois. Donc voilà, je suis toujours occupée avec mon centre social. Mes petits-enfants vont bien. Mon grand a quitté la maison, ça y est. Il a pris son envol. Il est parti assez loin. Enfin, assez loin. Il est à 1h45 minutes de la maison. Mais pour moi, c'est assez loin quand même. Il est parti sur l'île avec sa fiancée. Ils ont un appartement. Il a trouvé du travail là-bas. Donc, il a quitté la maison il n'y a pas longtemps. Il y a une semaine. C'est encore tout frais. Bon, ça faisait un moment. J'essaie de vous régler bien parce que là, vous êtes mal. Hop, voilà. Ça faisait un petit moment qu'il en parlait, mais bon. Entre le moment où ils en parlent et le moment où ils quittent, voilà. Donc, il est parti de la maison. Donc, il me reste mon dernier, Mathieu, qui est à la maison, qui lui reprend ses études au mois de septembre, parce qu'il avait un bac pro menuiserie. Et en fait, il trouve pas de travail là-dedans. C'est beaucoup du PVC. Lui, il n'aime pas le PVC. Est-ce que ma petite tablette te gêne? Attends, je vais l'enlever. Voilà. Ça te gênait? Posé? Oui. Alors, attends, je vais mettre ça sur la table. Hop. Voilà, comme ça, tu as toute la place pour te poser. Hein, monsieur Oreo? Donc, du coup, il reprend ses études. Il va faire un bac pro ou un BTS génie climatique. Donc, dans le froid, comme son papa. Et il part dans l'entreprise de son papa. Donc, du coup, il est parti pour 2 ans d'études. Donc, voilà, les petits-enfants vont bien. On a fait Pâques il n'y a pas très longtemps. On a fait Pâques lundi. J'avais le petit cette fois-ci. Ça fait 2 fois qu'on le prend à dormir. Petit, bon, il a 3 ans, hein, mais moi avec mon dos c'est un peu compliqué, donc du coup je peux pas le prendre souvent. Que le grand, ça coule de source quoi. Quand il vient, il sait ce qu'il a à faire, il aide mamie, enfin voilà, c'est différent. Le petit il a besoin de plus d'attention quoi. Donc voilà, sinon je pars en vacances après 30 ans, enfin ça y est, on s'est toujours privé pour nos enfants, et puis là, cette année on s'est dit, allez. Faut vraiment, enfin, c'est moi qui ai pris les devants parce que si ça aurait été monsieur, c'était pas la peine, on partait pas. J'ai pris les devants et puis du coup, on s'en va une semaine au Maroc très bientôt.
dans quelques semaines, là, ça approche tout doucement. Donc, on part une semaine au Maroc. C'est mon médecin qui m'a conseillé Agadir parce que bah, je suis près de la mer, c'est le soleil, ça va me faire du bien pour moi parce que j'ai vraiment besoin de soleil parce que le temps ici, l'humidité d'ici, j'en peux plus. Je souffre le martyre au niveau de mes os, au niveau de mon dos, c'est catastrophique. Pour mon dos, il n'y a rien de changé, c'est toujours pareil. C'est même pire qu'avant, je trouve, parce que bah, malheureusement, je suis obligée de marcher avec une canne quand je sors, parce que j'ai des faiblesses dans les jambes. Et du coup, bah, il m'arrive parfois d'être tellement faible que bah, les jambes, elles tombent. Enfin, les jambes lâchent, donc je tombe. Donc, à faire très attention. Donc, quand je sors non accompagnée, je prends la canne. Quand je sors accompagnée, bon, bah, je ne prends pas la canne, hein, bien sûr, forcément. Mais voilà. Donc on part en vacances bientôt. Je vais avoir un petit bébé dans la famille. C'est pas mes enfants, hein, ni ma fille. C'est mon neveu d'amour qui va avoir une petite fille au mois de juillet. Au mois de juillet, en même temps que mon anniversaire, parce que cette année, je fête mes 50 ans aussi. Et on fête nos 30 ans avec mon mari. Donc c'est une année assez importante cette année. Donc voilà, voilou. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Je sais que la chaîne n'est pas très active. Je vais essayer d'y remédier. C'est vrai qu'entre le DP à la maison, les activités du centre social, parce qu'en plus pendant les vacances, je donne des cours de DP aussi aux enfants, aux parents et enfants aussi d'un autre groupe, à l'espace jeune, plus mon petit train-train à la maison et mon dos qui m'embête énormément. Donc il y a plein de choses que j'arrive pas à faire. C'est vrai que j'ai pas beaucoup le temps de m'occuper de ma chaîne. Je suis vraiment désolée pour toutes mes abonnées. Je suis vraiment désolée, désolée, désolée. Mais je vais essayer d'y remédier. Sinon, dites-moi sur quelle toile vous êtes, ce que vous faites. Est-ce que vous faites encore du DP ou pas de DP? J'ai une tête à faire peur. Bon, vous avez l'habitude avec moi. Je suis toujours nature pâture. Donc voilà. Ouais, dites-moi si vous faites encore du DP, sur quelle toile vous êtes. Là en ce moment, donc je fais ma toile de l'année, mais sinon j'ai acheté une toile de chez Steph Art. Vous le connaissez, Steph. Il avait aussi une chaîne YouTube à un moment, il avait une chaîne Facebook. Bon, il y a beaucoup de gens qui lui ont cherché des noises, donc il avait tout arrêté. Il a repris il y a peu de temps sur TikTok. Il travaille beaucoup avec TikTok et il a lancé sa marque. Donc la marque c'est Steph Art. Allez-y, les yeux fermés. Franchement, vous n'allez pas être déçus parce que vraiment, il fait des toiles magnifiques. Les diamants sont magnifiques. C'est que de la résine. Il n'y a aucun défaut dans les diamants. Franchement, c'est une pépite. Donc, je lui ai acheté une toile au tout début. Il n'avait même pas encore ouvert que j'avais déjà acheté une toile. Là, au départ, il avait une dizaine de toiles, je crois, sur son site. Il a commencé le 1er février. Là, il doit en être à une quarantaine de toiles, je pense, sur son site internet. Je vous mettrai la rêve de sa boutique dans les commentaires. Vous verrez, allez-y les yeux fermés. Je vais mettre en pause 2 petites minutes. Bon, désolé de la coupure, c'était mon fils qui descendait. Attendez, ça a bougé un peu. Donc du coup, je vous disais, donc Steph a ouvert sa boutique. Diamant résine, grande toile, qualité plus, 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 plus. Alors, il fait aussi des petites toiles. Ça va de tous les budgets. Les très grandes toiles, bon, forcément, c'est un budget parce que c'est de la résine et c'est des toiles sublimes. Mais allez-y, les yeux fermés. Franchement, je lui donne toute ma confiance. Franchement, là, je lui ai pris une toile. C'est le Dragon. C'est une 105 par 85. Elle est sublime. Franchement, j'ai hâte à chaque fois de commencer la toile et j'arrive plus à m'arrêter tellement les diamants, ils sont magnifiques. Donc voilà, je vous mettrai le descriptif de sa boutique dans le descriptif de la vidéo. Donc voilà, voilà. Eh bien écoutez, je vais vous laisser. Ça fait une petite vidéo. C'est une toute petite vidéo pour démarrer, pour redémarrer la chaîne. J'en ferai une peut-être la semaine prochaine ou courant de la semaine où là je DP et puis on discutera un petit peu de choses et d'autres. Je pense que j'ai fait le tour. Sur ce, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de liker et de partager ma vidéo. Surtout pour mes abonnés. Je ne vous ai pas oublié. Vous inquiétez pas, je vais revenir très bientôt. Je vous fais des millions de bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles et je vous dis bye bye, à très bientôt.